Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une nouvelle vidéo découverte sur le Flipper, donc le jeu Pinball Arcade. Et le Flipper s'appelle Player Going Nuts, voilà, pardon. Et là, je ne comprends pas pourquoi, nous avons 3 billes qui sont lancées automatiquement. Alors a priori, j'ai cru comprendre que, de ce que j'ai lu, que le Flipper avait été fabriqué en seulement 10 exemplaires. Donc je ne vous explique même pas le prix du Flipper si vous le trouvez en vrai. Ça doit être quelque chose tout simplement de énorme. Par contre, d'accord, en fait, a priori, on ne peut pas perdre sur les côtés. C'est plutôt sympa. Ah, une bille déjà de perdu. Pas de rampe, des couloirs, beaucoup de bumpers. Donc en fait il y a une sorte de timer, je viens de remarquer hein. Si on fait des points des rampes, je sais pas, j'ai l'impression que ouais, ça baisse et en fait ça augmente dès qu'on en... Est-ce que ça augmente? Ça augmente. Là je viens de gagner une vie supplémentaire. C'est bizarre. C'est très très bizarre. En fait le fait qu'il n'y ait pas de rampe pour perdre sur les côtés, enfin de trous, hein, je pense que c'est pour ça qu'il y a un timer pour éviter qu'on puisse peut-être jouer trop longtemps. D'accord, bon alors là c'est mort. D'accord. D'accord, en fait on a tout le temps 3 billes, donc c'est le premier flipper où on a tout de suite un multiball. Ah! Ok. Là, je me suis pris un avion. Donc on a quand même 4 flippers. Donc il y en a 2 en bas, hein, gauche-droite. Et il y en a 2 autres supplémentaires en haut, côté droit. Vraiment bizarre cette façon de... C'est après c'est... Oui, c'est un parti pris on va dire. Soit rapidement gagner énormément de points ou soit rapidement perdre les 3 billes, voilà. Et perdre la partie en fait. Hein. D'accord, je viens de remarquer quelque chose. Ça, je viens de regagner 3 billes. Ah. Ouf. Les billes reviennent assez vite aussi, je remarque. Hein, Par contre, après c'est vrai que c'est agréable de voir quand elle va sur le côté qu'en fait on ne perd pas la bille, ça c'est plutôt sympa. J'aimerais bien essayer de retourner activer les 3 billes en haut comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc c'est bon, j'ai compris comment faire pour récupérer une bille supplémentaire. Il suffit d'aller en haut sur la rampe vers milieu. Enfin la rampe. Vers le flipper du milieu, en haut, et de taper la bille qui est bloquée en fait.
Là, je récupère une bille normalement. Voilà, c'est exactement ça. Ou deux, enfin tout dépend le nombre de fois que j'ai tapé. On se prend souvent des avions quand même. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme avion, c'est quand la balle, quand on bourre pas le flipper ni à droite ni à gauche, et que la bille en fait arrive pile poil au milieu, et qu'on soit incapable en fait en tapant même sur les deux flippers ou en décalé, en fait la bille ira toujours au milieu, donc on perdra la bille. Comme là, voilà. Donc là, il ne me reste plus que celle-ci. Ah dommage. Pour l'instant, ça se présente plutôt pas mal. Pardon, excusez-moi. Waouh, ça sera pas coupé au montage. Ah! Dommage, dommage. D'accord, time's up. Donc il y a bien une question de temps par rapport au timer, c'est-à-dire qu'il faut faire le plus de points possible, mais il y a un moment donné, en fait, on est obligé de perdre. Le fait qu'on n'ait pas de rampe sur les côtés pour perdre, qui envoie la bille directement out, en sortie, c'est pour ça. Autrement, c'est vrai qu'effectivement, ça serait peut-être hyper simple de rester et de faire un maximum de points. J'ai trouvé ça bizarre, mais sympa. Voilà, donc going nuts. Ce flipper-là a été fait à 10 exemplaires, ça a dû être une sorte de bêta test ou un truc de style-là. Je sais même pas, ça se trouve, s'il est déjà... Si même il est sorti, en fait. Ouais, je pense que si, s'ils l'ont fabriqué en 10 exemplaires, c'est qu'il a, il a quand même dû exister à un moment dans des salles d'arcade ou dans des bars, je ne sais où. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Lâchez le petit pouce qui va bien. Laissez-moi un petit commentaire constructif de préférence, hein, comme d'habitude. Et bah, écoutez, et puis partagez, surtout partagez, partagez, partagez. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo découverte. Et puis, ben, écoutez, voilà, je crois que j'ai tout dit. Salut, salut !